Salut. Comment allez-vous? Moi, je m'appelle Lucie. Aujourd'hui, je présente les informations du sport. Spécial, c'est cyclisme. Je souhaite vous supporter la chaîne. Julien Bernard, une émotion particulière lors de la 7e étape du Tour de France. Le Tour de France réserve parfois des moments d'une grande intensité émotionnelle. Lors de la 7e étape, Julien Bernard, membre de l'équipe Lidl Trek et natif de Bourgogne, a vécu un instant qui restera gravé dans les mémoires. Alors qu'il gravissait la montée du Curly, le cycliste de 32 ans a été accueilli par une vague d'acclamations chaleureuses. Mais ce qui a véritablement marqué les esprits, c'est quand Julien Bernard a décidé de s'arrêter en plein contre-la-montre pour descendre de son vélo et embrasser tendrement sa compagne. Un geste d'affection spontanée qui a ému et touché le public présent sur place, ainsi que Marion Rousse, la consultante de France Télévisions. Marion Rousse a également révélé un détail touchant, l'enfant que tenait la compagne de Julien Bernard dans ses bras était leur petit garçon. Cette scène, rare dans le cadre ultra compétitif du Tour de France, rappelle les moments d'émotion pure qui émaillent parfois la grande boucle, à l'instar du célèbre virage Pinot au col du Petit Ballon l'an dernier. Ces instants humains et authentiques renforcent le lien entre les coureurs, leurs proches et les passionnés de cyclisme, enrichissant l'expérience du Tour de France au-delà de la simple compétition sportive. Lors du contre-la-montre de la 7e étape du Tour de France, Julien Bernard a vécu un moment inattendu et émouvant. Alors qu'il se battait contre la montre sur ses terres, un fan club immense composé notamment de sa compagne et de son enfant est venu à sa rencontre, l'obligeant à faire une pause. Interrogé par France 2, Julien Bernard était visiblement ému. « C'était incroyable, ma copine a travaillé depuis des semaines pour me réserver ce moment, c'était mieux que dans mes rêves. C'était un objectif que j'avais en tête, ça aurait été très dur de manquer ce Tour de France. Je connais ces routes par cœur. Je suis sans mots, je n'arrive même pas à réaliser ce que je viens de vivre, il y avait mes amis, ma famille. » Ce moment spécial illustre la connexion profonde entre le coureur et ses proches, ajoutant une dimension personnelle et émotionnelle à sa performance sur le Tour de France. Lors de cet arrêt poignant sur les routes de Bourgogne, Julien Bernard a pris le temps d'embrasser sa femme, qui tenait dans ses bras un enfant en bas âge. Quelques instants après le passage du coureur de l'équipe Lidl Trek, le consultant Laurent Jalabert a demandé à Marion Rousse s'il s'agissait d'un petit garçon. La réponse de la compagne de Julien Alaphilippe a confirmé « Oui, c'est un petit garçon ». Ainsi, les présentations de la famille Bernard ont été officiellement faites sous les yeux du public du Tour de France. Au revoir. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous abonner à ma chaîne et continuer à soutenir ma chaîne à l'avenir. Je reviendrai avec de nouvelles vidéos prochainement. Bonne santé.